Et comme par magie, je suis à Stud dans le nord de la Californie, parmi les baleines. Quoi ça dit tout le monde? C'est Sam, et je suis content d'être sur ton écran. Voici les Nouvelles-Orléans! Comment ça se passe? Attrapez une tasse, restez un petit élan. Selon le gouverneur John Bel Edwards, lors d'une conférence de presse lundi, près de 9000 personnes ont trouvé refuge dans 45 hôtels dans tout l'État de la Louisiane, y compris 29 à la Nouvelle-Orléans. La raison pour autant d'hôtels au lieu des abris de tempête typique, c'est pour éviter la propagation du coronavirus. Plus de 600 000 maisons ont perdu leur courant après l'ouragan Laura, mais ce chiffre est après tombé grâce au travail de plus de 17 000 monteurs montristes de ligne qui sont sur le terrain après faire des réparations. L'Army Corps of Engineers des États-Unis a annoncé qu'il va lancer des audiences pour attirer des commentaires publics en ce qui concerne un projet de 2 milliards de piastres pour une mise à niveau du système de levée entre Cap Girardeau en Missouri et l'embouchure du fleuve Mississippi. En Louisiane, où la majorité du travail aurait lieu, le corps d'ingénieurs propose des élévations des levées, comprises entre 1 et 3 pieds, ainsi que le remplacement de 8 000 de murs d'eau haute. Il y aura des réunions publiques en ligne pour ça, mais la date n'a pas encore été fixée. Qui ça? Les détenteurs de billets de saison des Saints ont reçu un email mardi qui leur a dit qu'un certain nombre de fans vont pouvoir assister les parties de domicile dès le 27 septembre. Il reste toujours l'approbation de la ville, notamment le nombre ou pourcentage de personnes. Selon la maire Latoya Cantrell, la ville va avoir besoin de l'argent de l'État pour payer pour la police, des pompiers et pompières et d'autres personnels d'urgence pour un tel événement. Merci beaucoup d'avoir guetté notre show. J'aimerais vous inviter de vous abonner à nos niveaux sur Facebook, Twitter, Instagram et ainsi de suite. Jusqu'à la prochaine fois.